Patrick, Émilie, Jacques, Thomas, ouvrons vos buzzers pour débuter. Pour des questions à 1, 2, 3 points, dans l'ordre, celle-ci vaut un point. Quel engagement vis-à-vis de soi-même, parfois difficile à tenir, est souvent pris, Thomas ? Une résolution. C'est ça, la résolution, la bonne résolution, souvent pris lors du passage à la bonne année, à la nouvelle année. Thomas, vous avez pris des bonnes résolutions cette année ? Aucune. Comme non, ça, je prends pas de risque. Comme ouais. ça, aucun problème pour ouais. le tenir. C'est la sagesse qui parle. Pour deux points. En anatomie, quel vaisseau microscopique à parois très fines doivent leur nom au fait qu'ils sont fins ? Capillaire. Vaisseau capillaire, super. Ils sont fins comme des cheveux, d'où leur nom, vaisseau capillaire. Thomas de nouveau, et la première question à 3 points de ce soir. Et la première question à 3 points de l'année. Quel nageur français a été sacré ? Patrick. Manodou. Champion du monde du 100 mètres, Émilie. Camille Lacour. D'eau, excellent. Camille Lacour. Puis champion du monde du 50 mètres d'eau en 2013 et 2015. Patrick a tenté sa chance en répondant très très vite, mais il manquait encore quelques indices importants. Bravo Émilie, première question à 3 points. Un point ici, en Provence. En Provence, quel mot tiré du... Santon. Non, c'est pas... Ça aurait pu, mais non. Quel mot tiré du latin mansum désigne une maison de campagne de style... Patrick ? Un mas. Exactement, le mas. Une maison de campagne de style campagnard. Le premier point de Patrick pour deux points en 1917. Quel coléoptère se nourrissant de feuilles de pommes de terre, Jacques ? Le phylloxéra. Non, Patrick. Doryphore. Le doryphore. Débarqua dans la région de Bordeaux avec les troupes américaines, le doryphore. Et c'est une nouvelle question à 3 points qui revient déjà. Tous les quatre, Patrick, Émilie, Jacques, Thomas, écoutez ceci. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Le soleil éclaircisse l'ombre, qui brille d'amour au quotidien. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Pour aujourd'hui. Dans ce tube de 2004 que nous voulons entendre, quel groupe, Patrick ? Sensemilla. Exactement, Sensemilla, c'est ça. Quel groupe de reggae français nous souhaitait tout le bonheur du monde, Sensemilla, et en cette première émission d'année, c'est évidemment ce que nous vous souhaitons, tout le bonheur du monde. Bravo Patrick, 3 points. En Bretagne, quel gâteau originaire de Jacques ? Cognaman. Oh, oh oui. Pas mal parce que il y a d'autres gâteaux en Bretagne. Oui. Il y a le phare, il y a oui. le phare breton par exemple. Mais c'était bien le cognaman. Est une galette faite au beurre frais et au sucre caramélisé sur le dessus. Cognaman, c'est simple. Un peu c'est de farine, bon. Beaucoup de beurre, c'est très beaucoup léger. De sucre, et ainsi de suite. C'est très léger, voilà. Extra. C'est délicieux, mais il faut pas en abuser. Ah, oui. Jacques, premier point. Deux points. En science, quelle eau, exemple d'impureté minérale et organe. Patrick. L'eau distillée. Exactement, l'eau distillée, c'est ça. Par ébullition suivie de condensation, utilise-t-on pour certaines expériences, c'est bien l'eau distillée. Regardez, Patrick est déjà au bord de la qualification pour le 4 à la suite. Il ne lui manque plus qu'un point. Du cinéma à présent. Quel réalisateur proposait, avec un film documentaire de 3h15 sorti au cinéma en... Patrick encore. Moura. En octobre dernier, un voyage à travers... Émilie. Jacques Perrin. Un voyage à travers le cinéma français. 3h15, documentaire. Quel réalisateur ? C'était en octobre dernier. Bravo à tous ceux qui l'avaient à la maison parce qu'on ne l'avait pas ce soir ici, Bertrand Tavernier. En géographie, comment appelle-t-on, vous savez, la zone située entre le 40e et le 50e, Patrick ? Le 40e rugissant ? Exactement, les 40e rugissants. Patrick, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Bravo à vous. Il joue vite, Patrick. Il joue vite dès le début de la question, ah, il oui. prend tous les risques, il n'a pas tous les indices, mais il y va et c'est une stratégie ah, oui. gagnante. Comment appelle-t-on la zone située entre le 40e et le 50e parallèle de latitude sud où les marins sont confrontés à des vents souvent très violents, les 40e rugissants ? Bravo à vous, Patrick. Il me reste deux places pour le 4 à la suite. Chaque bonne réponse maintenant, Émilie, Jacques et Thomas vous rapportent deux points. Tous les trois, regardez ceci. À la mort de Franklin Roosevelt, survenu en 1945, quel est ce vice-président des États-Unis qui, Jacques ? Truman. Exactement. Bravo, Jacques, qui lui a succédé à la tête du pays. C'était bien Harry Truman. Et regardez les scores, égalité, 3 partout. Nous cherchons une plante maintenant. Quelle plante ? Aux fleurs vivement colorées, doit son nom au gouverneur français de Saint-Domingue, Jacques ? Fuchsia. Saint-Domingue, Michel Bégon, qui l'a... Le bégonia. Oui, c'est ça. Michel Bégon, le bégonia.
qui l'introduisit en France. Avec Michel Bégon, ça devenait un peu plus facile. Dites-moi maintenant, Émilie, Jacques et Thomas, aux États-Unis, quel événement de football américain, Thomas ? Le Super Bowl. Et la bonne réponse, Super Bowl, oui. Jacques l'avait aussi, je crois, hein, mais Thomas a été très rapide. Chaque année, plus de... Le chiffre est incroyable. 100 millions de personnes devant leur poste de télévision chaque année pour regarder le Super Bowl. Et Thomas est à une bonne réponse seulement du 4 à la suite. Comment nomme-t-on les tranches de chair levées de chaque côté du bréchet de certaines... Jacques. Solilès. De chaque bréchet de certaines volailles comme le canard. Non. Les tranches de chair qu'on lève de chaque... Thomas. Les magrets. Non. Émilie, une idée. Comment on appelle ça? Les rognons. Non. Non, c'est les petites... Les aiguillettes. Ah, les aiguillettes. Oui, Jacques, ça vous revient. Non. Les aiguillettes. Eh ouais, trop vite. À quel dieu, dieu de la triade hindoue, attribue-t-on les 10... Thomas. Vishnu. Vishnu est la bonne réponse. Thomas, vous êtes qualifié. Attribue-t-on 10 incarnations majeures ou avatars, dont celle de Krishna. Et là, je pense à Mamie Hélène, c'est bien ça? Oui. Elle doit être bien satisfaite de voir son petit-fils qualifié pour le 4 à la suite. Jacques et Émilie, j'aurais bien aimé vous garder tous les deux parce que vous m'êtes bien sympathiques. Mais c'est impossible. Une seule place, il me reste pour le 4 à la suite. Chaque bonne réponse vous rapporte 3 points. Tous les deux, vous êtes à 3. Deux bonnes réponses et c'est gagné. Quel grand rapace, à tête et à cou nu, se nourrissant... Le condor. Jacques, vous m'avez dit? Le condor. Principalement de charogne, rencontre-t-on dans différents déserts? Rapace. Émilie. Le marabout? Non. C'était le vautour. Le vautour. Ah, ben... Condor, c'est qu'une variété. Et en fait, Jacques, la bonne réponse lui vient, mais... Eh oui. Après une première. Ah, c'est là, je m'en pauvre. À mon avis, il suffit de les inverser et c'est bon pour vous. Ouais. Quel homme politique a occupé la fonction de maire de Marseille de 1900. Jacques. Gaston Defer. Gaston Defer. De 1953 à 1986. Incroyable longévité politique quand même. Ouais. Maire de Marseille de 1953 à 1986. Gaston Defer. Attention Émilie, car Jacques n'est plus qu'à une bonne réponse du 4 à la suite. En 2009, dans quelle comédie de Riyad Satouf, Vincent Lacoste et Anthony Sonigo incarnent-ils deux collégiens obsédés par les filles? Enfin, vous n'avez pas vu ce film? Comédie très réussie. Est-ce que vous l'aviez? Non, non. Les beaux gosses. Ah, les beaux gosses. Les beaux gosses. Chez l'homme. Par quelle expression imagée désigne-t-on couramment la douleur localisée sur le côté du tronc survenant après un effort? Le Jacques, point de côté. Le point de côté, oui. Jacques, vous êtes qualifié. Émilie. C'est pas grave. Je le disais, vous étiez tous sympathiques, tous les quatre ce soir. Mais c'est la règle, hélas. Vous avez passé un bon moment. Vous avez passé un bon moment, c'est vrai. En ce début d'année 2017. Tout à fait. Vous avez le droit de revenir tenter votre chance. Avec plaisir. Merci. Ce sera un plaisir partagé. Merci, Émilie. Bon retour à Paris, puisque vous êtes une locale de l'État, en quelque sorte. Pour vous, ce cadeau. SodaStream vous offre une machine qui s'aille épurée pour créer simplement mes alexiles, vos boissons pétillantes. Voici la source de SodaStream. Pour les amoureux des fleurs sauvages, voici un superbe coffret. 120 fleurs parmi les plus belles et 20 magnifiques planches à exposer. Il est accompagné de 16 idées de terrarium, facile à réaliser. Facile. À vous de jouer maintenant. Une nouvelle chance pour vous pour gagner soit une voiture, soit 10 000 euros. C'est vous qui choisirez la question. Comment appelle-t-on un terrain recouvert d'eau où on cultive le riz? 1. La rizière de la roselière. Bonne réponse. 3243 pour le téléphone par SMS. C'est 1 ou 2 au 7, 10, 20. Et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Félicitations à Jacques, Thomas et Patrick. On joue maintenant au 4 à la suite.